Salut à tous, une petite comparaison de deux yaourts. Piton des neiges à la vanille. Il y en a un qui est en version vanille bourbon. Et l'autre, une version fruit mixé vanille bourbon. Donc je vous laisse lire ce qui est écrit sur les côtés. La version fruit mixé a une texture un peu plus liquide, alors que la version classique a une texture un peu plus, disons, gelée. C'est pas la même chose. Donc c'est pas la même chose, celui-là est plus liquide et celui-là, il est figé. Maintenant, je vais faire la fine. Alors, commençons par celui qui a la vanille bourbon. Ben, c'est la cuillère, j'ai eu un petit peu d'autre, alors je vais recommencer. C'est pas mal. C'est un goût de vanille, mais... Mais je sais pas trop. Il n'y a pas la même texture, en fait. Et celui-là. La différence, c'est que celui-là est plus jaune. Il y a des points noirs dedans. Donc ça, c'est des morceaux de vanille, les points noirs. Et là-dedans, il n'y en a pas. Il faut préciser aussi que les deux yaourts sont différents un peu différents. Yaourt sucré aromatisé à la vanille bourbon. Donc ça, c'est aromatisé. Donc ça, c'est... Yaourt brassé. Donc c'est les fruits qui sont mixés. À la pulpe de fruits. Donc... Vanille, le fruit c'est la vanille. Donc pour moi la vanille c'est pas vraiment un fruit mais plutôt une plante. Enfin c'est ni un légume parce qu'évidemment ça n'a rien d'un légume. Mais ça pousse en fleurs. Ça pousse pas en fruit. Pour moi ça ne pousse pas en fruit. Aromatisé. Donc c'est vrai que je sais pas pourquoi ils aromatisent ça alors qu'il y a de la vraie vanille dedans. Donc ça à mon avis c'est un parfum artificiel, je suis pas 100% sûr. Mais c'est quand même bon, je veux dire c'est pas chimique non plus. Là-dedans, il y a de la vraie vanille, mais je crois qu'il y a un peu de ce qu'il y a là-dedans. La texture est différente. Donc ça, j'ai goûté. Celui-là, un peu plus le goût de vanille. Le goût un peu plus fort, mais par contre, c'est un tout petit peu plus sucré. Je vais goûter encore. Chacun. C'est bien ce que je disais, ça. C'est vrai que celui-là, on dirait qu'il y a un peu plus le goût de lait ou de yaourt nature que le goût de vanille. Mais il y a un goût de vanille aussi parce que c'est la vanille. Mais ça, on voit bien que c'est un peu ajouté après. Ça n'a pas tellement l'arrière-goût de yaourt nature. Je vais goûter encore. On l'a mis un peu sur le bord. C'est un peu ballot. Celui-là un petit peu plus sucré. Et un peu plus le goût de vanille parce qu'il y a des points de. Des points de gousse de vanille dedans. Vous voyez, c'est des petits points noirs. En fait, c'est pas des points noirs, c'est plutôt marron. Ben, pour l'instant, c'est tout. Mais je trouve que les deux sont bons. Mais j'aime mieux celui-là. En fait, les deux sont sucrés un peu pareil, mais celui-là on dirait qu'il y a tout petit peu plus, c'est-à-dire 1% plus, et un peu plus le goût de vanille. C'est une petite vidéo de comparaison. Merci de l'avoir vu. Si vous aimez, mettez des j'aime et mettez des commentaires. Bye bye.